Oui, je passe te chercher à midi. Hein. Je viens directement à 12h et on mangera ensemble, hein, d'accord? What? Attendez, c'est quoi ça, les amis? Attendez, les amis, Chase est au... Vous allez me dire que là, Chase est au téléphone avec quelqu'un et il va prendre rendez-vous. C'est quoi ce délire? Attendez, les amis, on dirait que Chase va probablement avoir un rencard au restaurant avec quelqu'un. Attendez, on va écouter ce qu'il dit. C'est quoi ce délire? Oui, d'accord, bon, on fait ça, hein? Du coup, on est d'accord pour midi. Allez, je passe te prendre, hein. Oh punaise, ok, les amis, je viens de commencer les recs à l'instant. Bon, attendez, on va retourner dans le salon comme si de rien n'était. Ok, on va fermer la porte parce que je viens de l'extérieur, les potes. Ok, on va vite s'installer ici. Ok, les potes. Waouh, les potes, je sais pas si vous avez entendu ça. Là, juste la fin de la conversation. Mais j'ai entendu que Chase était au téléphone avec quelqu'un. Et on dirait qu'il va avoir un rencard tout simplement avec une fille, les amis, on dirait. Donc, vous savez ce qu'on va faire, les potes? On va essayer d'en savoir plus. Les amis, vous voilà. Aujourd'hui, les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est Talcado. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, les amis. Donc, si vous allez bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que vous allez passer une bonne après-midi. Un bon mercredi après-midi, les amis. Voilà, j'espère que vous allez bien aimer la vidéo. Si tu penses que tu vas bien aimer la vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo. C'est le pouce bleu qui se trouve en dessous de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, comme d'habitude, à la chaîne YouTube si tu es nouveau et que tu me découvres. Sur cette vidéo, si t'es déjà abonné à la chaîne, pas besoin de te réabonner, hein, tu sais, tu connais, hein, t'es déjà abonné, c'est-à-dire que tu ne loupes aucune vidéo et que tu vois les vidéos qui sortent tous les jours, les amis, donc c'est super cool. Et nous, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va essayer d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe avec Chase, les potes. Où est-ce qu'il est? Ok, il est plus dans sa chambre, je sais pas si... Ok, il est ici, il est ici. Bon, vous savez quoi, on va aller le voir. Salut, Chase, ça va? T'as le cadeau, ça va? Ah, bah ça va, tranquille. Bon, alors dis-moi, Chase, qu'est-ce que tu comptes faire de beau aujourd'hui? Ben, trois fois rien. Trois fois rien, ok, mais tu bon. Tu connaîtrais pas un fleuriste par hasard? Un quoi, un fleuriste? Bah, oui. Pourquoi tu veux un fleuriste? Bah, j'ai quelque chose à faire. De quoi t'as quelque chose à faire? Tu veux un fleuriste, tu veux des fleurs, tu t'achètes des fleurs pour toi-même? Oui, c'est ça. Ah d'accord, ok, ouais, bah ouais, je connais un bon fleuriste, bah il est pas très loin, il est pas très loin le fleuriste, donc bah si tu veux je t'y emmène, hein. Oui, allez, c'est parti. Si t'es chaud, je t'emmène. Ok, bon, bah, tu sais quoi? Je vais t'emmener chez le fleuriste. Bon, écoutez, les amis, nous, ce qui va se passer, c'est que je pense qu'on va aller chez le fleuriste avec Chase, d'amis, mais il veut pas me dire pourquoi. Très bizarre, je sais pas pourquoi tu vas aller chez le fleuriste sans vouloir me dire, hein, Chase, hein. Mais bon, comme d'habitude, les amis, aussi, la boutique du vêtement, pour ceux qui seraient intéressés, elle est en description, les potes. Vous pouvez aller la voir, il y a des t-shirts, des sweats, etc., etc. Bon, Chase, vas-y, suis-moi, on va aller chez le fleuriste. Oui. Bon, écoute, vas-y, si tu veux. Bon, le fleuriste, il est juste ici, tu vois, il est pas très très loin. Il est juste à côté de la maison. Bah, tiens, justement. Il est ouvert, donc c'est plutôt pratique. Bon, personne n'est ici, donc on va pouvoir se garer ici. Bon, écoute, je sais que le fleuriste est vraiment super cool. Il peut très 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 bien te conseiller niveau fleurs, niveau herbes de Provence aussi, niveau terreau, niveau tout, niveau engrais. Tout ça, il peut te conseiller. Donc, n'hésite pas eh bien, à lui demander conseil. Voilà, si tu veux des fleurs. Bah, attends, où est-ce qu'il est, bon, écoute, attends, on va regarder un peu les fleurs qu'il y a. Le temps. Ah, il est ici. Ah, bonjour, voilà, monsieur, bonjour. Comment vous allez? Ça va, ça va. Bon, écoutez, du coup, mon ami, il cherche des fleurs. Voilà, bah, je te laisse dire ce que tu veux comme fleurs. Vous cherchez quoi? Vous cherchez de l'herbe de Provence, c'est ça? Non, en fait, j'aimerais bien des belles fleurs. Genre, quelque chose qui représente l'amour ou quelque chose comme qui ça. Qui représente l'amour? Qui représente l'amour? Et t'as dit que tu voulais manger les fleurs? Qui représente l'amour? À quoi ça sert qui représente l'amour? Ah, faut vous pas manger les fleurs d'amour, hein. Ah oui, après vous mourrez. Ah oui, bah oui, oui. Je peux vous... Donnez-moi ça quand même, je prendrai le risque. Ok. Oula, bon. Bizarre votre ami. Ouais, bizarre. Mais hein, vous bizarre. Voulez l'amour de quoi? L'amour des fleurs? Alors là, j'ai de la super bonne frappe là. Là, là, ça c'est tout droit de Provence ici. Hein. Ça, c'est vrai que c'est des bonnes fleurs. Oh, bah, je sais pas. Sinon, après. Après c'est pour faire quoi? C'est pour faire des gâteaux? C'est pour faire à manger? Ou c'est pour offrir? Non, non, je crois justement, lui il veut un truc qui respire l'amour. Je pense que le rosier, c'est bien, hein, c'est bien, hein, le rosier. Le rosier, ok, on va lui mettre un peu de rosier, c'est pour faire un bouquet, c'est ça, un petit bouquet? Oui, un gros bouquet. Ouais, ouais, un gros bouquet. Chase, t'es cramé, on sait que tu vas avoir une fille, Chase, on sait que tu vas avoir une fille, Chase. C'est ça. On met un peu d'orchidée. Les amis, ne vous en faites pas. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement espionner Chase le temps qu'il aille dans son rendez-vous. On va voir ce qu'il va faire, où il va aller et avec qui, les amis. Donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Ne la quittez surtout pas, les potes. C'est très important parce que je pense qu'on va bien rigoler durant cette vidéo, les amis. Du coup, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, les potes. Ok, c'est parti, on va voir. Du coup, ok, il paye. Chase, t'as payé ton bouquet?
T'as payé ton bouquet? Et faites bon escient, hein, surtout mangez pas, surtout pas. Ah bah oui, parce que les épines, ça pique, hein. En bouche, ça accroche un petit faites peu. Faites attention, hein. Ça accroche un petit peu. Bon, écoutez. Bon rancard. Hein. Ah bah oui. Merci. Ouais, voilà, c'est sûr, il a un rancard, les amis. C'est sûr, il a un rancard. Bon, écoutez, les potes, nous, du coup, on va repartir. Du coup, bah, je me ramène chez moi, hein, et puis toi, tu fais ta vie, hein, après, hein. Parce que bon, voilà, on va pas partager notre vie, surtout si tu vas avoir une petite copine, Chase. Tu vois ce que je veux dire? Si tu vas avoir une petite copine, on peut pas être deux sur la même petite copine, hein, tu vois. C'est sûr. Bah oui, c'est sûr, hein. Après, je sais que après, les couples à trois, ça doit sans doute exister, peut-être chez les chiens, mais en tout cas chez les humains, ça n'existe pas, ça c'est sûr. Bon, écoute, du coup, je te tourne ta voiture et tu vas pouvoir repartir. Hop là, tac, vas-y. D'accord, c'est bon. Merci. Ok. Bon, du coup, les amis, moi j'en ai pas fini. On va vite suivre Chase, les potes. On va prendre la voiture, hop là, et on va vite bombarder les potes. Et on va suivre Chase, les amis, parce que bien évidemment, on ne va pas le lâcher. Ok, il est parti par où? Où est-ce qu'il est parti? Ok, il est ici. Ok, on va aller tout doucement. On va le suivre, les potes. Ok, il est par là. Ok, les amis, où est-ce qu'il va? Ok, on va éviter de se faire repérer, les amis. Ok, il longe. Donc, déjà, il va pas au restaurant, les potes. Il va pas tout de suite au restaurant. Ok, on va continuer à suivre. Ok, bon, je pense qu'il est parti du coup dans la route ici. Où est-ce qu'il est? Ouais, il est ici, les amis. Il est ici. Ok, les potes. Bon, on va continuer là, le chemin. Et on va voir où est-ce qu'il s'arrête. Ok, attendez, est-ce que vous le voyez, les amis? Ok. Il se gare, les amis. Ok, nous, on va se garer chez le voisin, les potes. On va se garer chez le voisin. Hop là. On va la mettre la voiture dans le sens, les amis. Et on va voir du coup chez qui il va et qui est sa petite copine, les amis. Du coup, voyons voir. Ok, donc on va voir tout simplement chez qui il va. Alors, attends, il a garé sa voiture ici, les potes. Ok. Oh, punaise, il est ici. Ok. Ok, les amis. Hey, comment ça va? Salut, Chase. Ok. On va se cacher ici. Oh punaise, ok. Merci, toi aussi, tiens, je t'ai amené plein de petites roses. Oh punaise, ok les amis, Chase est en train d'offrir des roses à quelqu'un, mais je ne vois pas bien qui c'est, les potes. Attendez, il va falloir que je me... Peut-être que je... Ok, attendez, qui est-ce que c'est? On dirait un membre de la Pat Patrouille. Les potes, attends, c'est Chase. C'est Stella, les amis. Ok, on dirait que c'est Stella. Ça sent fort, donc. Ok, les amis, oui, du mais coup... faut pas les manger. Je crois que Chase est en train de draguer Stella, les potes. Bon, je sais que de ce que j'ai compris, qu'ils allaient aller au restaurant, les potes. Donc, on va les voir aller au restaurant. On va les espionner au restaurant. Et après, on va voir ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils vont tout simplement retourner chez Stella après le restaurant. C'est sûr et certain, les amis. Du coup, voyons voir. Ok, qu'est-ce qu'il faut? Ok, ils sortent. Ok, il sort. Je vais t'amener au restaurant. Oh là là, qu'est-ce qu'il est galant, Chase, les amis. Il emmène Stella au restaurant, les potes. Ok, du coup, ils partent. Bon, écoutez, on va voir du coup. Ok, je pense qu'ils vont au petit restaurant du coin là. Le Krusty Burger, les amis, c'est sûr. Ok, on court. On va chercher la voiture, les amis. Et on va suivre Stella et Chase, les amis. C'est parti, ok, on bombarde. Hop là, hop là, hop là. Tac, 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 ok, c'est parti. Ok, les amis, du coup, on est parti. Nous allons, eh bien, tout simplement, aller voir où est-ce qu'ils sont allés. Ok, ils sont là-bas. Ok, bon, bah, pareil, les amis, vous savez quoi? On va se garer ici, on va se garer ici. Et on va voir ce qu'ils vont faire, les potes. Ok, ils vont au restaurant, du coup, les amis. Ok, bon, bah, c'est nickel, on va pouvoir les espionner de l'extérieur et voir ce qu'ils mangent, les potes. Ok, attends, voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Je sais pas, un hamburger? Et toi? Alors attends, moi je vais prendre un signature avec un Big Mac, avec un Sunday. Oh punaise, mais il va. Eh les amis, Stella, elle va braquer le McDo, les amis. Enfin, le Krusty Burger, les amis. Elle veut prendre plein de trucs à manger, les potes. Ok, bon, vous savez quoi? On va regarder du coup ce qu'ils vont commander. Ok, il y a le serveur là-bas. Ok, voyons voir. Voilà, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va, du match cassé, ça va? Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'il vous faut alors? Je vous écoute. Bah, commençons par madame, elle a une grosse commande, attention, ça, on dirait que c'est pour 10 personnes, mais c'est que pour elle, vous en faites pas. Stella, elle mange pour 10 personnes, les amis. Bon, on va s'approcher du coup, hop là, hop là, tac, tac, tac. Voyons voir, ok, on va s'installer à une table un petit peu loin. Ok, je vais prendre un signature, un Big Mac. Ok, signature, un maxi, normal. Un maxi. D'accord, frites coca. Frites coca, maxi aussi. Ok. Un Big Mac. Bon, les amis, dis donc qu'ils commandent beaucoup, c'est un petit peu long. Bon, écoutez, on va voir du coup s'ils vont tout prendre. De toute façon, ça devrait aller vite, hein, parce que c'est le Krusty Burger. C'est un fast-food, donc ça mange d'accord. rapidement, et les amis. Pour monsieur. Un hamburger. Ah, d'accord, okay. Bah lui, je suis surpris, il aura plus d'argent. Ok. Je prends juste un hamburger. Oui. Dis donc.
Ah, tu fais des économies comme ça. Ah, il fait des économies. Bon, les amis, c'est un peu une pince, hein, Chase. Hein, c'est un peu une pince. Bon, écoutez, les amis. C'est mal à la tête, du rat. C'est bon, ce qui va se passer. Hamburger. C'est con. On va aller voir manger, les potes. Ok, Chase est en train de payer. Pour madame, nickel, vos poissons. Ok. Ok, les amis, ils prennent tout, okay, ils prennent tout ça, les potes. Et attendez, il manque la signature. Il vient juste d'arriver. Il est tout beau, il est tout propre. Ok, nickel, les amis. Du coup, ils ont toute leur nourriture pour les potes. Voilà, du coup, parfait, merci. Ils vont manger au restaurant. Et après, bon appétit. Une fois qu'ils auront mangé, les potes, ils vont tout simplement eh bien, rentrer chez eux à la maison. Ils vont rentrer chez Stella. Et je sais pas trop ce qu'ils vont faire. On verra bien, du coup, avant la fin de cette vidéo, les potes. Ok, bon, déjà, du coup, ils ont leur petit burger, leur petit truc. Ok, nickel. Bon. Les amis, oh punaise, les amis, Stella, c'est un ogre, les amis, Stella est un ogre, les potes, regardez comment elle mange, on dirait un monstre, c'est le monstre du Loch Ness, les amis, regardez-moi, c'est un truc de fou, bon, ok, je pense qu'ils ont bientôt fini, bon, ils ont fini, ok, on va vite, oula, comment elle parle, Stella, ouais. Bon. Encore un Big Mac, ouais, mais elle fait que manger. Bon, d'accord. Ok, bon, les amis, du coup, un autre Big Mac. 3 euros, s'il vous plaît. Ok, bon, 3 euros le Big Mac. Ah ouais, coûte cher. Faites pas la pince là, merci. Écoutez, les amis, du coup, je pense qu'ils vont bientôt avoir fini de manger. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer à retourner en voiture. Voilà, je vais aller dans ma voiture et après, on va les suivre pour voir où est-ce qu'ils vont aller, les amis. Du coup, c'est parti. Voyons voir où est-ce qu'ils vont aller. Ok, donc là, ils ressortent du restaurant. Et je pense, du coup, si je me trompe pas, ils vont aller chez Stella. Hein. C'est quasiment sur les potes. Ok, ouais, allez, ils vont chez Stella. Je te ramène. Ok, c'est bon. Bon, du coup, les potes, ils vont aller chez Stella. On va voir, du coup, ce qu'ils vont faire, les potes. C'est parti. Bon, les amis, du coup, ok, on va les suivre sans trop se faire repérer, les amis. Et on va bien voir, du coup, ce qu'ils vont faire chez Stella, les amis. Nous, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire? On va se garer ici, les potes. On va se garer un petit peu loin dans le jardin de quelqu'un. On en a rien à faire. Ok, du coup, ils se garent chez Stella. Ok, faut surtout pas se faire repérer, les amis. Sinon, après, on est cramé, les potes. Et attendez, ok, où est-ce qu'ils vont? Ok, ils vont bien chez Chase. Ils vont bien chez Stella. Ok, voyons voir. Bon, les potes, du coup, on va aller les espionner un petit peu, les amis. Dites-moi en commentaire, en tout cas, si ce genre de vidéo vous plaît. Ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, je pense que je vais peut-être aller les rejoindre dans le lit, hein, parce que là, je commence à être fatigué aussi, les potes, du coup. Ok, bon, on va aller voir, du coup, où est-ce qu'ils vont aller. Tac, 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 ok. Oh, punaise, attendez, ils vont, oui. Ok, ils vont se laver là, direct. Ok, bon, attendez, on va aller voir, du coup, dans la salle de bain, par où je peux rentrer. Oh, punaise, non. J'aurais dû rentrer de l'autre côté, les amis. Attendez, ok, on va faire le tour. Oui, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y en a un qui est coincé aux toilettes, on dirait. Attendez. C'est quoi ce délire? Oh putain! Wesh! Les amis, réécoutez-moi ça! Il y a Stella qui est aux toilettes! Ok, le menu signature passe très très mal, les amis. Bon, écoutez, attendez, qu'est-ce qu'il faut? Ok, du coup, Chase a enlevé ses habits, les potes. Ok, et Stella, elle est là. Ok, bon, les amis, du coup, ils vont aux toilettes aussi. Chase, il va aux toilettes aussi, ouais, les potes. Ok, bon, vous savez ce qu'on va faire? On va se mettre, on va prendre tout simplement une potion d'invisibilité, les potes. Hop là, on va se prendre une petite potion d'invisibilité. Hop là, tac, et on va du coup aller voir dans la salle de bain, les potes. Ok, c'est parti, on est en invisible, c'est parti. Ok, ok, les amis, du coup, Chase est aux toilettes. Oh punaise, ah oui, oh punaise, il déglingue les chiottes. Il déglingue les toilettes, Chase, hein. Ok. Bon, Stella, du coup, elle prend sa petite douche, les amis. Ok. Bon, vous savez ce qu'on peut faire? On peut peut-être un peu les trolls. On va prendre un petit peu d'eau. Hop là. Non, je peux pas. Attendez, water. Peut-être. Ah oui, ouais, c'est en anglais. Voilà, c'est en anglais. Ok, on va prendre le seau d'eau. Ok, les potes. Du coup, on va verser de l'eau ici. Oh punaise. Oh punaise. Oh punaise. Oh punaise. Oh punaise, inondation, ah oui, ok, les potes. Oh punaise, ah oui, bah là, la douche, les amis, j'ai mis le pseudo, ils ont cru que la douche avait explosé, les amis. Bah, par contre, les amis, Chase, il est vraiment à poil, hein, c'est le cas de le dire, hein, il n'y a plus d'avis sur lui, il est totalement à poil. Bon, ok, bon, attendez, où est-ce qu'ils vont? Ok, ok, bon, du coup, les amis, Chase se rhabille, les amis, je sais pas c'est quoi ce délire. Ok, il vient de se rhabiller dans le dressing. Ok, bon, du coup, Chase, il est rapide, les amis, il est très rapide. Bon, du coup, il faut qu'elle aille aux toilettes, c'est quoi ce délire? Et en plus, ils s'en foutent. Oh punaise, ça sent mauvais, les amis. Ok, bon, on va dégager d'ici. Oh punaise, bon, écoutez, les potes, vous savez ce qu'on va faire? Attendez, on va tout simplement mettre... Oh, j'ai une idée. Est-ce qu'on mettrait pas une petite mine? On peut mettre une mine. On met une mine. Regardez, les potes. Hop là.
Oh, attendez, attendez, est-ce qu'elle va s'activer? Qu'est-ce que t'as fait, Stella? Ok, on a rien fait. Bon, ouais. Les amis, du coup, pour le cas, la mine, elle était pas dans les toilettes, hein. elle était bien présente, les amis. Bon, ok, je crois que là, du coup... Il y a un cratère chez moi. Ouais, il y a un cratère, bon, les amis... Du coup, il n'y a plus de maison. Enfin, Stella, elle a plus de chambre, les amis. Bon, je sais pas trop ce qu'ils vont devoir faire là, les amis, mais ça se trouve, ça peut peut-être partir en embrouille, les potes. Attendez, on va écouter ça de loin. Ok, Stella, elle est vénère. Comme ça, tu crois qu'avec des mines, en les posant comme ça, n'importe où, ça va pas exploser. Oh, qu'est-ce qui se passe? Attendez, c'est quoi ce délai, les amis? Qu'est-ce qui va se passer? Stella, elle est vénère, les amis. Qu'est-ce qui va sortir? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Oh, elle est malade! Wesh! Oh, punaise! Elle a un pistolet! Mais non! Elle est malade! Les amis, elle a un pistolet, tire au pistolet. Oh la folle. Oh là là, les amis. Oh punaise. Ok, on va s'éloigner d'ici. Bon, les potes, du coup. Oui, je sais quoi, mais elle est totalement devenue folle, les amis. C'était là. Bon, attendez, on va vite prendre la voiture et on va partir, les amis. Ok, bon, je crois que ma blague a débordé un petit peu là, pour le coup, les potes. La blague a un petit peu débordé. Nous, on va s'éloigner d'ici, les amis. On va tout simplement, aller à la maison, les potes. On va se rentrer rapidement là. On va faire croire qu'on n'est pas là et tout. Je pense que la mine était un peu trop. Hein. La mine était un peu trop pour le coup. Bon, même si bon, ils auraient pu s'embrouiller, et je pense qu'ils ont même pu s'embrouiller pour moins que ça. Mais bon, écoutez, nous on va se rentrer, on va faire attention, et puis on va essayer de. Dites surtout rien à Chase, hein. Dites rien à Chase, dites pas qu'il faut qu'il. Enfin, faut pas qu'il aille voir cette vidéo. Nous on va reprendre du lait un peu, milk, du coup, tac. Faut pas qu'il aille voir cette vidéo, vous ne le dites surtout rien parce que là sinon il va être vénère, les potes. Et du coup, voilà. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager. Comme d'habitude, ça me ferait extrêmement plaisir, les potes. C'est quoi le truc qui est derrière dans ma maison, les amis? C'est quoi ce délire? Ok, bon, vous savez quoi? Si vous avez vu le truc derrière moi, n'hésitez pas à me le dire et dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est. Écoutez, on se retrouve vendredi à 17h pour une nouvelle vidéo. C'était Talcado. Ciao, les potes.